Et salut à tous, on se retrouve pour la suite de ma partie donc avec la Corée. Là, on n'est pas prêt de les attaquer ceux-là. À moins 11. Peut-être. Peut-être qu'une alliance se profile. Et ça serait pas mal. Presse par tour. Allez, hop. La moitié des navires, il restera plus que 7 navires et on est à jour au niveau de ma flotte. 10 en prestige, on prend. Sur Pakwan. Allez, le russe. Une petite alliance, ça serait quand même profitable à tout le monde. Ah mais j'ai pas d'autres Ayataya et Brunier. Rio. Allez, c'est bon. Bon, 0,48 par tour, ça va pas aller chercher loin. Le Brunei, militaire, armée nationale. Le Brunei a 42 000 hommes, donc il en a 29 000 ici. Et je pense qu'il en a donc 15 000 par là. Hop. À 14 par tour, on a une bonne économie. On était vraiment pas bien et là ça va mieux. C'est parti de Brunei. Logiquement, on est tranquille. Ici, logiquement, on est également tranquille. Là par contre, ben non, forcément. 28 000 hommes. Bon, pour l'instant, il se passe rien. Faut toujours surveiller que si ça soit pas la guerre. Sur la République des deux nations. Bon, les bourriates. Eux, ils sont alliés avec qui? Les Maldives, donc prochainement on va leur péter la gueule. C'est parti, c'est pasé.
Ça y est, on peut mettre à jour nos navires. Non, il nous faut 223, on a dit. Un être calme. Combien coûte ma stabilité? Moi, si je veux la coloniser, ça va le faire. Coloniser qui? Kiri. Kiriki. Ah. Et ma foi. Allons-y. Je compte sur l'arrivée des renforts juste après. Donc on disait Kiri. 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 Ah ouais, putain, il faut les coloniser là-bas. Bon, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, les navires. On va prendre la Nouvelle-Zélande alors, si c'est ce qu'on nous veut. Voilà. L'Eurat. Ah, regardez l'Eurat qui en profite. C'est ça. C'est un attaquant face à la Russie, quoi. Ils en profitent. Du coup, ben nous, on va monter l'armée. C'est parti. Logiquement, ici, je suis tranquille, 39 ans, 44 ans. Là, 3% de chance, 1% de chance. Théoriquement, je suis plutôt bien. La Russie, combien de troupes? Oh, mais ils ont rien les Russes en fait. 48 000 hommes, c'est ridicule. Je comprends, ouais. 36 000 hommes à l'Oirat. Bon, aussi, on les a attaqués. Si on attaquait l'Oirat, une bonne fois pour toutes. Je pense que ça serait une sage décision. On peut pas laisser passer ça. Ils sont en guerre. Nous allons y aller aussi. Et on verra bien ce que ça donnera. Hein. Si jamais je me prends une branlée, je me prends une branlée. Ah, il a 70 000 hommes. Où ils vont, eux? Ils vont donner ça au. Ah, le rat, je suis sûr. Ils vont donner des comptes de tir. C'est quasi sûr. Si je déclare la guerre 66, il faudrait que j'en profite pour terminer les Mongols 14, les Bouriates 14. Il faut péter les Bouriates avant que. J'ai un petit peu d'argent.
Bon, franchement, pour les 2000 hommes qui restent, on va y aller quand même. Janvier 1615, j'ai de gros doutes, hein. J'ai de forts doutes. La guerre se prépare enfin. Les séparatistes Yanok, Iloko, c'est Zambona. Ok, bah, j'ai pas envie de mauvaises surprises sur mon dos. Et Ilocos. Voilà, arrêtez de nous faire chier. Moi, je gagne de l'argent. Oui, attrition de mes navires, je sais. Voilà. On va faire ça. Donc c'est là que tout va se jouer. C'est là qu'on va voir, merde, pardon, si je peux m'en sortir. Donc on va faire déclarer la guerre. On va faire une opération sur les Bouriates. Toute mon armée, plus 6000 hommes ici, plus voilà. On va donc attaquer, c'est parti. L'Eurate. Trois mille hommes en avant. Sur le papier, on est beaucoup moins nombreux qu'eux. On va donc absolument, faut absolument qu'on enlève les bourriates direct, c'est l'objectif. On enlèvera 14 000 hommes. Ah. Ça. Moins 21%. Là, on fait un grand tour. Ah, c'est con, on aurait pu s'allier, quoi.
Alors, les bourriates. Parlons peu, mais parlons bien. Tu me donnes ta capitale, c'est celle qui a la mine d'or? Carrément. Tu me donnes ta capitale. Tu vas me donner ça. Et t'es à combien? 37. Tu vas faire annuler ton. Voilà. Là déjà, ça, c'est fait. Et maintenant, on occupe le terrain partout, partout. Déjà, on est plus nombreux que maintenant. Il fallait se lancer, c'est fait, on a affaibli les Mongols, l'Oirat, qui est toujours en guerre contre la Russie, qui gagne contre la Russie. Hop. C'est au Ming ça. Pas la peine de trop être gourmand, je pense. J'ai revendiqué comme territoire ça. Je suis à moins 16. On fonce dans le tas. On prend tout ce qu'on veut. C'est 27%, c'est plutôt bien. Et je suis qu'à 5% de score de guerre, ce n'est pas beaucoup. Ou ici, alors là par contre, ça me plaît pas des masses. Katapang et Sukadan. Voilà. Et ici, Sakhaline, ça et ça. Pas nous faire chier. Allez, on en est où? Vous savez quoi là? Vous allez partir alors là. Bon, on est à 30%. Est-ce qu'on peut revendiquer des trucs bien? On est à 1. C'est pas beaucoup. Allez, on va faire ça. Ah, la capitale, voilà qui est intéressant. C'est toi qui vas y aller. J'espère rapidement finir avec cette guerre. Et la Russie, elle a pas beaucoup d'hommes, pourtant elle a un gros territoire. Après, c'est peut-être pas beaucoup pour la Russie, hein. C'est toujours pareil. Je pense qu'une fois qu'on aura pris la capitale, on sera quand même plus à même de d'avoir des exigences, des revendications qui soient plutôt fortes. Allez, parlons peu, mais parlons bien. Je veux pas mal de choses. Qu'est-ce que vous avez à me proposer hormis les vaches? Ouais, carrément, on prend tout ce qu'on peut, hein.
Et j'ai... Allez. Voilà. Voilà qui est donc parfait. Alors, on va... On va regrouper nos armées. Ici. Voilà une bonne nouvelle. Encore la lutte contre la corruption. Mais bon, c'est normal. Alors on perd pourquoi? Oui. L'opinion de Ming à l'écart de la Corée ajoute 10 en confiance à la à Corée. On fait ça. Est-ce que désormais on peut faire allier avec nos amis russes qui sont dans la panade? Oui. C'est une bonne nouvelle. Ils ont besoin de nous. On y va de ce pas. On est quand même beaucoup plus nombreux qu'eux. Et on va s'arrêter là d'ailleurs. Allez, on poursuit de la partie de la guerre, nouvelle guerre face à Ilorra dans le prochain épisode. Allez, à plus.